Alors une descente qui est sympa, c'est par là. On va jusqu'au fond, en travers. Là, la cabane de Rougnouz. Et on descend jusqu'au vallon de chasse qui se retrouve tout là-bas au fond. Mais pour aujourd'hui, nous, on va suivre cette piste-là qui fait toutes les crêtes et descendre du sommet de l'Otapi. Lucky. Robert au loin. Et les autres qu'on aperçoit. Ah, au lieu de dormir, il faudrait peut-être graisser son matériel, mon biquet. Voilà, sur la crête, entre le gros tapis là-bas et l'autre tapis derrière moi. Alors, nos compagnons d'échappée arrivent. On les attend tranquillement. Gérald en plein effort. Et voilà. Tu y es. On a fait les sièges pour descendre et on monte. Ils sont forts les tâches. Le reste de la troupe. Gérald qui se plaint derrière, comme d'habitude. Yeah! Ça y est, tout le monde est là. On va pouvoir aller là-bas. On va aller là-haut, bien sûr. Salut, chocolat! On peut aller que là-haut. Ah oui, c'est clair. Hein. De toute façon, si tu as plusieurs points que tu repères, tu regardes toujours le haut. Je sais que c'est là que tu vas aller. Bon, je souffle, c'est sûr, mais bon. Tire Lyon, sympa. Ah putain, on a pris un coup au cœur là, hein. C'est normal. Tiens, je suis pas le seul. Bon, en principe, il n'y a plus que ce petit truc de monter là. Après la crête et descente. Et ben, mon Thierry. On attaque la descente à partir de là-bas. Ouais, je vais montrer le mamelon. Bien. On termine avec la crête. On va juste là. Allez, Lucky. Ouais. Eric. C'est toujours une jolie vue là-bas. Et on doit descendre sur cette arête. Là, ça peut descendre derrière. Voilà le vallon de Rest, on voit la cabane. On va descendre sur cette croupe là. Et après on rattrape un sentier. La troupe est là, en pleine forme, prête à en découdre. Faites gaffe, ça descend. Ça descend là, on va pas là-bas. Vous voyez bien là-bas ce petit GR. Ouais, c'est oui. Là, on baisse la selle alors. Hein.